Bonjour et bienvenue à l'Église Le Portail en ligne. Je tiens premièrement à, à saluer notre Église de Abitibi, donc Église Le Portail Abitibi. Bienvenue. Euh, je sais que euh, vous allez écouter ce message, donc j'espère je, que vous allez être bénis euh, ce matin et à tous ceux euh, naturellement qui se, qui se joignent à notre, euh, à notre en ligne, eh bien bienvenue. Et euh, j'espère que euh, on va euh, vraiment euh, pouvoir vous bénir au travers le texte de Pierre. Nous sommes rendus dans le troisième message de notre thématique qui s'intitule « Étrangers et voyageurs ». Et, et ce matin, je suis assez content de prêcher la deuxième partie euh, du chapitre 2 parce que c'est vraiment... Moi, j'ai été béni quand j'ai étudié ce texte-là. J'ai été béni par l'étude du texte, par le texte en tant que tel. Et j'espère que ce matin, vous le serez aussi. C'est un texte qui nous défie qui nous amène à nous mettre en question parce qu'il appelle à mettre en, à notre foi en action. Et le texte pose son attention sur les fruits qui sont produits par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi mon message s'intitule Une conduite différente. Vous savez, je ne sais pas si vous vous avez, vous avez eu ça, mais moi je me souviens quand j'étais au primaire, on avait souvent un exercice, un petit exercice, le fun à faire. On nous donnait deux images, ou même des fois dans le journal il y a ça. On nous donnait deux images qui à premier abord semblaient identiques, et il fallait trouver les différences. Il fallait trouver qu'est-ce qui était différent d'une image à l'autre. Et, et c'est un peu ce que le texte va faire. En tant que, que, que chrétien qui vit dans ce monde, euh, je veux dire. J'aimerais ça avoir des ailes qui me poussent, là, mais, mais, mais quand on me regarde au premier abord, j'ai l'air d'une personne ordinaire, normale. Mais est-ce que lorsqu'on pose le regard un peu plus profondément sur ma vie, sur ce que je fais et comment je le fais, est-ce qu'on peut voir la différence et dire, ah oh, oh oui, il y a des petites différences, lui il est chrétien et telle autre personne ne l'est pas. Et c'est ce que le texte va nous amener à voir, de dire à nous remettre en question de dire si si on te présente toi et un non-chrétien côte à côte puis on dit il y en a pas de différence peut-être peut-être qu'il y a un problème parce que le texte va nous montrer clairement qu'il y a une différence entre celui qui est racheté par Jésus-Christ et celui qui ne l'est pas. Et on va aller ensemble, 1 Pierre, chapitre 2, et on va commencer au verset 11-12 ensemble. Je vais le lire pour vous, mais les versets vont naturellement apparaître à l'écran. Mais en même temps, vous êtes en vidéo, faites pause, allez chercher votre Bible, allez sur votre application. Il n'y a rien de mieux que d'avoir la parole de Dieu entre ses mains lors d'une prédication. Donc, allez-y. Et moi, je vais faire la lecture. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Le titre de notre série prend racine dans ce verset-là en particulier. Pierre nous définit comme étant étrangers et voyageurs sur la terre. Ce n'est pas un concept là, que l'Église Le Portail a inventé. On a dit on cherchait un titre pour Pierre. On a juste pris le concept que Pierre détaille dans sa lettre, étranger et voyageur. C'est une réalité, c'est une vérité que nous vivons lorsque nous sommes chrétiens sur cette terre. Pensez-y juste deux secondes. Si vous, vous, vous partez en voyage, peu importe, okay? euh, peu importe la partie du monde, si vous partez en voyage, peu importe le pays, peu importe euh, où vous, vous désirez aller. Naturellement, on sort du lot. On sort du lot. Que ce soit euh, par la langue, même si je vais en France où c'est du français, euh, les gens vont tout de suite reconnaître que je suis un Québécois. Si je vais dans un autre pays où la langue, euh, je, je parle anglais, mais si je vais aux États-Unis, clairement, les gens vont dire Mais ton accent, il vient de où Tu n'es pas, pas d'ici. Ou encore l'apparence. Si je vais au Japon ou dans un pays asiatique, j'ai pas l'air d'un Asiatique. Ben, ou, ou encore, il y a des, des fois, c'est la culture, les gestes ou les coutumes qu'on pose lorsqu'on va dans d'autres pays. Puis soudainement, on, on comme dirait l'expression, on « pop », comme « hop », OK, il détonne dans le paysage. On le sait qu'il ne vient pas d'ici, lui. Et ma question pour toi ce matin, c'est est-ce que tu sors du lot naturellement pas de façon bizarre, hein? on en connaît tous un ou deux chrétiens un peu bizarres que quand on, on sort avec, on est comme, oh, j'espère qu'il me fera pas honte. Mais est-ce que, est-ce que vous sortez du lot à cause de vos bonnes œuvres? Parce que nous sommes citoyens du royaume des cieux, mais nous sommes, par juste logique, étrangers et voyageurs dans le royaume de ce monde. Pour un temps, naturellement, on va, on va retourner à la maison. Hein? Le, le, la Bible est claire, on va, on va retourner à la maison. Mais pour l'instant, nous sommes étrangers voyageurs dans le royaume de ce monde. Clairement, comme le texte nous le dit, ce, ce royaume-ci offre des convoitises qui font la guerre à l'âme. Quelques exemples. L'amour de l'argent, la recherche de validation, la quête de succès, la culture de performance la dévalorisation du mariage ou des valeurs traditionnelles, je pourrais continuer encore comme ça longtemps. Vraiment, là. Il y a, on pourrait y aller avec une liste euh, très longue. Et pourquoi est-ce que ça fait la guerre à l'âme? Pourquoi le texte nous dit qu'il y a des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement que ces choses viennent... Enlever notre focus principal, notre regard principal, vient l'enlever de Jésus pour le porter sur ses convoitises. Quand on a l'amour de l'argent, on tasse un peu Jésus de côté, puis on fixe notre regard sur l'accumulation de richesses ou, ou l'argent, ou peu importe. C'est ce que Timothy, Timothy Keller va appeler les idoles du cœur. Pas besoin d'être un grand érudit biblique là, pour savoir ce que la Bible enseigne sur les idoles. Jésus. Et la Bible sont des standards pour évaluer nos motivations profondes et nous rappeler que lorsqu'on place Jésus au centre de notre vie, au centre de nos préoccupations, tout le reste prend sa place. Tout le reste prend sa place. Parce que ces choses qui ne sont pas, je veux dire, l'argent, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi, le succès, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi, mais c'est lorsque ça, ça devient des convoitises charnelles elles prennent la place de Jésus au centre et débalancent nos vies, désorganisent nos vies. Alors que lorsqu'on place Jésus au centre, toutes ces choses viennent prendre leur place. Le deuxième élément soulevé par Pierre est la question des bonnes œuvres. La Bible ne présente pas les bonnes œuvres comme un prérequis au salut. Hein, naturellement, vous le savez, on ne peut pas, par nos bonnes œuvres, acheter le salut. On ne peut pas par nos bonnes œuvres atteindre Dieu. Mais les bonnes œuvres sont présentées comme étant une conséquence du salut. Donc ce n'est pas parce que je fais des bonnes œuvres que je suis sauvé, mais c'est bien parce que je suis sauvé que maintenant des bonnes œuvres découlent de moi. Donc c'est un prérequis. Ce n'est pas un prérequis, c'est une conséquence. Dieu m'a sauvé. Il m'a régénéré. Et des bonnes œuvres découlent de ma conduite. Notre bonne conduite devient un moyen de témoignage. C'est ce que le texte va nous dire, hein? qu'il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Ces bonnes œuvres deviennent un moyen de témoignage, pas un moyen pour se dire une tape sur l'épaule, ah comme je suis bon, je fais des bonnes œuvres. Mais nos bonnes œuvres deviennent un moyen de témoignage. C'est la façon d'être le sel de la terre, la lumière du monde, comme dirait Jésus dans les Évangiles. C'est pourquoi nous sommes appelés à être doux, humbles. Puis je sais que ce n'est pas super populaire aujourd'hui, mais soyons gentils. En tant que, que chrétiens, soyons reconnus pour être doux, humbles et gentils. Parce que ça devient un contre-argument aux calomnies de ceux qui désirent nous attaquer. Je veux dire, regardons, là, regardons dans, les, dans les nouvelles, quand les chrétiens sont présentés, c'est rarement comme étant euh, les doux et gentils, mais plutôt comme étant de méchants, intolérants, rigides, pris dans des valeurs d'une autre époque. C'est ça les calomnies d'aujourd'hui. Mais notre conduite, notre volonté de ne pas fléchir à la tentation de nous conformer au siècle présent dans l'amour, la grâce, la douceur, devient un témoignage puissant de la, à la gloire de Dieu. Et c'est ce que le, texte, le début du texte va nous, va nous enseigner. Continuons dans le deuxième point, versets 13 à 16. Soyons soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Mon deuxième point, c'est, soyons soumis, simplement. Puis je sais que c'est un sujet délicat à traiter. Ce n'est pas, pas un sujet facile. La soumission aux autorités, ce n'est pas la plus facile des choses à faire. À la limite, on peut dire, quand les autorités abondent dans notre sens, voilà, ben c'est facile. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque les autorités s'opposent à nous, à notre style de vie? Eh bien, c'est là qu'on voit que ça se complique. Je mentirais en disant que c'est toujours facile de se soumettre. Si ce l'était, Pierre ne nous exhorterait pas de la sorte à l'appliquer. C'est bien parce que c'est difficile que la Bible nous rappelle, et encore et encore dans plusieurs textes, que nous, doit, que nous devons être soumis aux autorités. Naturellement, la Bible ne nous dit pas de nous soumettre au prix de notre foi. L'histoire de l'Église, en fait, nous prouve juste le contraire. Les premiers chrétiens n'ont jamais renié leur foi pour valider l'empereur romain. C'est jamais ça ce qu'ils ont fait. Mais ils ont pris, par contre, le châtiment injuste en allant jusqu'à mourir dans les arènes. Ils ont été soumis. Voici notre foi, on ne va pas la renier. La conséquence de notre foi va être d'aller mourir dans l'arène. Eh bien, ainsi soit-il. La soumission, c'est une négation de soi-même. C'est pour ça que c'est dur. La soumission, c'est parfois endurer des choses injustes. Alors vous me direz, mais ben pourquoi? pourquoi Pourquoi le faire s'il faut endurer des choses qui sont injustes Eh bien, parce que c'est la volonté du Seigneur. Et c'est écrit juste là dans le texte. Soyez soumis à cause du Seigneur, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. C'est c'est difficile. Parce qu'au travers la soumission à des autorités injustes, nous nous exerçons à notre dépendance à Dieu. Nous nous exerçons à nous rappeler que Dieu est souverain sur toute chose, sur toute personne, sur toute circonstance, sur tout moment. Et s'il est souverain sur tout ça, je me dois... De faire confiance à Dieu, même lorsque je passe au travers de situations qui me semblent injustes. Nous devons faire confiance à Dieu, qu'il est en contrôle, même lorsqu'on a l'impression que tout part en vrille. Vous pensez que les premiers chrétiens avaient du plaisir à mourir en martyr Non. Mais ils étaient tellement convaincus que Dieu était souverain. Que Dieu était vrai, qu'ils sont restés soumis en restant fermes dans la foi, en payant les conséquences de leur foi, en faisant confiance à Dieu, que de leur sacrifice, ils ont réduit au silence les hommes ignorants et insensés. Le meilleur exemple moderne de ça, de cette soumission aux autorités, même lorsque c'est injuste, c'est nos frères et nos sœurs qui habitent en Chine. Ils sont persécutés. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont des citoyens exemplaires. La raison, parce qu'ils ne veulent pas donner de raison au gouvernement de les persécuter au-delà. Donc, ils sont des citoyens exemplaires, ils sont soumis. Mais, ils refusent de renier leur foi, payant ainsi les conséquences de leur espérance en Jésus. Et toutes les horreurs qu'on peut savoir qui sont faites aux chrétiens de par le monde et particulièrement en Chine ces, ces temps-ci. Rappelons-nous, la soumission, ce n'est pas de suivre le monde dans la déchéance et le péché, mais c'est de dire voici ma foi, voici mes valeurs, voici ce à quoi je crois. Et je ne vais pas les renier. Mais par soumission, je serai prêt à prendre les conséquences de ma foi. Et continuons ensemble. Verset 17. Un seul verset cette fois-là. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux. Mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. La Bible parle beaucoup de l'amour. C'est une chose que nous désirons tous dans nos vies. Et je ne sais pas s'il si y a quelqu'un ici, là, ce matin, qui écoute ce vidéo et qui se dit Non, moi, de l'amour, non, je veux pas, je n'ai pas de besoin. On veut tous l'amour. L'amour, c'est beau, c'est doux puis c'est puissant lorsqu'on en fait l'expérience. La Bible nous dit même que c'est à cela que tous reconnaîtront que nous sommes des disciples de Jésus. C'est à l'amour que nous éprouvons les uns pour les autres. L'amour, ce n'est pas un motif égocentrique. L'amour qui n'attend pas un retour de la balance, un amour désintéressé, un amour sincère et authentique. C'est dur d'aimer pour vrai. C'est dur d'aimer pour vrai. En fait, il y a des gens qui sont super faciles à aimer. Mais le texte nous dit... Si on retourne ici, là, non seulement à ceux qui sont bons et doux. Par exemple, je vais vous donner un exemple bien simple. Si vous êtes déjà allé à l'église de Portail de Terrebonne, vous connaissez peut-être pasteur Maxime, Maxime des Maxime, il est facile à aimer. Il est gentil, il est doux, il ne se fâche pas facilement, il aime Jésus. Je veux dire, j'ai rarement vu Maxime de mauvaise humeur. Il est facile à aimer, pasteur Maxime. Le défi, il n'est pas là. Le défi, c'est d'aimer ceux qui sont difficiles. Tu sais, un peu comme moi. Tu sais, moi, je, des fois, je suis difficile. Je suis clairement pas facile à aimer. Bon, dis pas amen à ça, s'il vous plaît. Là. Même si tu es chez toi, je, par l'esprit, je peux l'entendre. Il y a juste pasteur Maxime en écoutant une vidéo qui peut faire comme Ouais, ça, c'est vrai. Parce que pourquoi c'est difficile d'aimer les, les gens qui ont un caractère difficile? Parce que, à l'intérieur de nous, notre chair a envie de vivre par le principe œil pour œil, dent pour dent. Si une personne est méchante, on veut lui donner la monnaie de sa pièce. Parce qu'on se dit, il le mérite. Il n'est pas fin, il est méchant, il est, il est, il est, il est arrogant, il est méprisant. J'ai envie de lui donner la monnaie de sa pièce. Mais si Dieu avait agi de la sorte avec nous, de la même façon, pensez-y, si Dieu avait agi comme ça avec nous, il n'y a personne, personne qui serait ici ce matin pour louer Jésus. Jésus ne nous a pas donné œil pour œil, dent pour dent. Jésus ne nous a pas donné ce que nous méritions. La bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a aimés avec nos défauts. Avec nos mauvais côtés, avec nos péchés. Il nous a aimés, pas juste en nous donnant une petite tap, là, oh oui, c'est bon, je vous aime. Non, non, il nous a aimés comme des frères. Et il nous demande de reproduire ça, d'agir avec amour, bienveillance envers ceux qui nous entourent. Même si des fois, on pense que ceux qui nous entourent mériteraient plus une claque qu'un geste d'amour. Une prière que personnellement j'ai souvent, c'est la suivante. Je prie souvent, Dieu, permets-moi d'aimer les gens comme toi tu les aimes. Permets-moi de les voir comme toi tu les vois, comme des brebis égarés qui ont besoin d'être sauvés. Pas par la haine, pas par le reproche ou la critique, mais bien par l'amour. Puis c'est une prière qui est toujours un peu risquée à dire, parce que la seule façon de nous exercer à l'amour, c'est de nous envoyer des gens difficiles. Des gens qui sont durs à aimer. Mais c'est comme ça qu'on s'exerce. C'est pas en faisant des choses faciles qu'on devient meilleur. Puis peut-être que toi, tu dis, moi là, mon patron il est difficile. Ça arrive. Ça se peut. Tu dis qu'est-ce que je fais? Ben, si tu n'étais pas chrétien, je te dirais, fais ce que tu veux. Mais comme, comme tu es ici ce matin, tu écoutes un message. Tu veux savoir qu ce que la Bible te dit de faire? Eh bien, la Bible dit ici, c'est écrit, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Honorez par l'amour. C'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Tu as un patron difficile. Ben, Aime-le. Prie pour lui. Prie pour lui. C'est l'arme la plus puissante que le chrétien peut avoir entre ses mains. C'est la prière. Il y a des gens autour de toi qui, qui sont difficiles. Prie pour eux. Continue. Ne laisse pas l'amertume envahir ton cœur. Ne laisse pas la colère et la haine venir prendre la place de l'amour. Ne laisse pas ta chair gagner dans une situation comme ça. Manifeste l'amour, même si c'est en serrant des dents un petit peu. Parce qu'au final, rappelons-nous que c'est ce que Dieu a fait pour nous. Dieu par amour a envoyé son fils Jésus. Dieu par amour est venu nous sauver. Puis franchement, j'aimerais être capable de dire que je le méritais un peu. Mais la Bible me démontre trop clairement que je ne méritais pas le sacrifice de Jésus. Que je n'ai rien fait pour le mériter, que je ne le cherchais pas, que je ne le désirais pas. Mais que Jésus, par amour, est venu mourir pour moi, pour me sauver, payer la dette que j'avais sans rien demander en retour. Un pur acte d'amour désintéressé. Et le plus difficile, c'est que Dieu nous demande d'agir à son image. La Bible demande, nous demande d'agir à cette image-là. D'aimer ceux qui ne le méritent pas. D'être gentil, d'être doux. D'être au service de ceux qui sont d'un caractère difficile. C'est ce que la Bible dit. Mais regardez la suite du texte. 19 à 25. Car c'est <coughs> une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela, que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Ce passage termine avec une exhortation qui nous fait plus dire un ouch qu'un amen. C'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu. C'est important comme précision, parce que bien souvent, nous subissons les afflictions de notre propre péché. Laissez-moi laissez juste m'expliquer. Nous subissons les conséquences de nos fautes. C'est ça le péché. C'est ça qui est juste. Parce que le péché, c'est souffrant. Le péché n'apporte rien de bon. Et pleurer parce que nous subissons les conséquences de nos péchés n'est pas la solution. La solution, c'est la repentance, le retour à Dieu et le laisser nous restaurer. Parce que oui, péché nous apporte des afflictions. Mais ce n'est pas ce que le texte parle ici. Le texte nous parle ici de subir les afflictions lorsque l'on fait le bien. Ça, c'est autre chose. C'est à cela que vous avez été appelé. Ça, c'est comme un double ouch. Des fois, on aime ça avoir tu sais, des, des gros amens, mais là, c'est un gros ouch. Non seulement la Bible nous dit vous allez supporter des afflictions lorsque vous faites le bien. Mais en plus, c'est à cela que vous avez été appelé. Nous aimerions qu'un système de je fais le mal, je souffre, je fais le bien, je suis béni, que ce soit le système éternellement applicable dans notre monde. Mais entre vous et moi, on sait que ce n'est pas ça. En tout cas, si c'est ce que vous pensez ou si c'est ce que vous espérez, vous allez être déçus. Ce matin, c'est un peu comme un anti-appel que je fais. Non. Être chrétien, c'est pas facile. Faire le bien n'est pas toujours récompensé de bénédiction. Non, on n'est pas immunisé aux afflictions. Le texte nous dit exactement ça. Parce que la vie, de, la vie sans péché de Jésus a été récompensée par des meurtrissures, des injures, une exécution sur le bois. Son œuvre était... Pour la justice, afin que mort au péché, nous puissions vivre la justice. cest dire nous, nous étions errants et sans berger, mais maintenant, nous avons un gardien de nos âmes. Dans l'affliction, nous nous remettons à celui qui est le plus sage et le juste juge. Dans l'affliction, nous avons confiance et l'espérance qu'un jour, à son retour, toute justice sera accomplie. Et ça, on peut dire un amen à ça. En attendant, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de bien, de droiture et de justice, cherchant à glorifier Dieu, peu importe les circonstances, peu importe les afflictions, car notre espérance n'est pas de ce monde. Mais notre espérance est placée dans le royaume à venir et entre les mains de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Alors, peut-être que toi, tu es à la maison, tu écoutes ça. Peut-être que tu es à Malartic, à notre église de la BTB. Puis tu dis, ouais, en ce moment-là, je vis des afflictions. Puis il me semble que... tu j'ai vu des afflictions parce que je suis persécuté pour ma foi, je suis persécuté parce que, parce que j'ai des valeurs chrétiennes, parce que je ne veux pas fléchir sur tel point qui, 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 qui fait partie de mes valeurs, qui fait partie des standards bibliques. Rappelons-nous, parce que c'est dur, c'est vraiment dur de laisser cette vérité imprégner nos, nos cœurs. La, la, la première phrase du verset 19 va dire C'est une grâce. Que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Waouh! C'est une grâce! Et ce que nous pouvons être certains, c'est qu'au travers l'affliction injuste, Dieu nous comprend. Dieu nous comprend mieux que n'importe qui. Parce que si vous en voulez quelqu'un qui a subi des afflictions injustes, le texte, là, il nous décrit. Là, c'est bien Jésus, mais il n'a pas péché au travers de ça. Malgré qu'il subissait l'injustice, il a décidé de rester bon, doux et droit, sans pécher. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Toi, tu vis de l'injustice, tu vis de l'affliction, tu dis ça, ça n'a pas de sens, c'est juste pas correct ce que je vis. Eh bien, je t'invite à reconsidérer ce texte. Laisse-le imprégner ton cœur. Va dans la prière. Prie que Dieu puisse imprimer cette vérité profondément dans ton cœur. Parce que humainement parlant, on ne peut pas le faire. Humainement parlant, on ne peut pas voir comme une grâce les afflictions que nous vivons. Ça prend Dieu, ça prend Jésus, ça prend le Saint-Esprit qui transforme nos pensées et notre cœur pour nous faire comprendre et accepter que l'affliction que nous supportons, est une grâce. Alors allons prier ensemble ce matin. Père éternel, toi qui, euh, qui as envoyé ton fils Jésus marcher à, sur la terre, Seigneur. Alors Père éternel, que tu, tu établissais ton plan ultime de sauvetage de l'humanité. Tu savais que Jésus devait passer par la croix par ces afflictions injustes qu'il allait porter sur son corps. Seigneur, quel exemple, quel incroyable exemple, alors qu'à notre mesure, dans notre humanité, nous subissons des afflictions injustes. Seigneur Dieu, nous te prions que nous puissions avoir la même prière que Jésus dans le Jardin. Que nous puissions aller devant toi et dire Seigneur, si tu peux éloigner de moi cette affliction, si tu peux éloigner de moi cette coupe, mais qu'à la fin, nous puissions continuer de dire Mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Seigneur Dieu, tu, tu connais notre cœur, tu sais que nous éviterions les afflictions et la souffrance aussi souvent que nous le pourrions. Mais Père, dans tes Écritures, tu nous démontres que c'est un mal nécessaire. Et que c'est une grâce que tu nous fais. Parce qu'au travers ces afflictions, au travers ces temps difficiles et ces circonstances qui nous font mal, Seigneur, toi, tu œuvres. Tu fais une œuvre de transformation. Tu nous apprends à la dépendance. Tu nous apprends à faire confiance à ta souveraineté. À faire confiance en ta bonté, ta justice, ta miséricorde. Et c'est au travers de ces temps, Seigneur, que nous pouvons nous rapprocher de toi. Chercher ta face. Chercher à nous, à nous blottir dans tes bras, Seigneur, comme des enfants apeurés se blottissent dans les bras de leur père. Alors, Père éternel, fais-nous grâce encore. Pardonne-nous nos offenses, Père Éternel. Pardonne-nous, Seigneur, les fois où, dans l'affliction, nous avons crié pourquoi. Seigneur, change nos cœurs afin que, dans l'affliction, nous puissions te glorifier et dire que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié ensemble. Amen. Et Amen. Bon dimanche à tous.